Dans la juridiction tabac, vendredi qui était 13 septembre 2024, là, direction centrale police judiciaire, DCPJ, à travers section homicide, interpellé commissaire principal, Libenson Gauthier, qui était responsable juridiction tabac. Il a arrêté tout, inspecteur principal Jean-Claude Aimé, cap travail tout dans la même juridiction ça dans commissariat tabac avec des autres civils qui c'est Robertson Antoine et Jean Roussler. Quatre interpellations ça au fait dans quatre enquêtes DCPJ à mener suite à exécution citoyen Hubert Colo qui c'est un citoyen qui en même temps était un chauffeur taxi. Scène crime t'est déroulé dans tabac 41 zone ambassade américaine jeudi qui était 5 septembre 2024 après plainte qui t'est porté mettez sous témoignage en pile monde qui était dans zone là et bien il témoigné que véhicule service qui affecté avec commissaire Livenson Gauthier t'est sous lié scène crime. Selon information enquêteur de CPJ disposé, gain indice surtout relevé téléphonique qui montrait à clair que commissaire Gauthier était dans parage là dans moment exécution victime. Comme responsable juridiction, il ignorait fait qui passait et puis pas même produit un rapport sous ça. Jusqu'à présent, c'est DCPJ qui est arrivé, saisi de dossier ça. N'a fait qu'on est pour qu'on y a, commissaire Libenson Gauthier, ancien responsable juridiction tabac, l'y placé dans l'isolement. Faut qu'on dit tout, dossier ça, dans un petit temps tout coûte, pour le déférer devant autorité, la justice compétente. Dans même sens ça, nous voulons informer la population que l'opération Cap-Mené, dans Badelma, centre-ville, spécialement dans le quartier Bel Air, Solino, Riel Maya, Delma D, a continué. Renforcé chaque jour. Alors, Jean que nous connaissons l'objectif conférence de presse, et c'est sous question rentrée scolaire. Dans ce sens, nous promettons la population avec la presse. Nous avons pour nous casser un rendez-vous spécifique sous bilan opération SAI. Mais tout, nous avons profité fait qu'on est. PNH a déjà mis en bas code concubine avec ce bandit criminel évadé de prison qui est le Ken Pestanoan qui est chef gang Bel Air. Pour finir, nous avons demandé à la population d'être vigilant et éviter de prendre toute forme. Tractation, PNH là c'est nous et nous c'est PNH là. Unité ça, c'est vrai symbole, mariage, police et population qui gagne pour sigle MPP que directeur général de la police, M. Normil Rameau, a prôné depuis l'élevé dans cette institution. Dans le niveau toute juridiction policière, il y a une instruction formelle qui passe avec responsable. Sous tout territoire national là pour capable prendre toutes dispositions nécessaires dans le cadre de réouverture de l'école. Exemple, dans le département NIP, il y a plusieurs patrouilles pour renforcer, il y a plusieurs points fixes aux alentours de l'école. Dans le département sud-est, département sud, Grand-Anse, Latibonite, et tout l'autre département en dedans. PIA qui concerne. Toujours dans le cadre de qui a adopté, il y a une instruction qui passe avec le responsable juridiction pour rencontrer et puis discuter avec le responsable établissement et scolaire dans l'idée pour prendre connaissance du problème interne l'école qu'on fait face surtout dans le niveau sécurité, réfléchir ensemble sur le problème et puis chercher ensemble éléments sous solution.
Pendant la police nationale d'Haïti a travaillé pour préparatif rentrer l'école là, faut qu'on dit tout, bataille contre grand banditisme là, il n'y a pas de camper. PNH là continue à faire opération avec intervention policière yo, dans l'objectif pour craser toute foyer gang yo, tout partout dans le pays pour permettre l'ordre et la paix capable de rétablir dans tout le pays. Dans ce sens, la police nationale d'Haïti fait plusieurs arrestations. Dans le département nord, dans la nuit 23 pour le 24 septembre 2024, la police mène une opération contre une gang qui a opéré dans la zone Thibault, dans la commune Milo. Il y a 4 individus qui sont mortellement blessés dans un troqué coup d'armes avec la police. Parmi eux, un chef gang qui relève Macowel Insikoni, qui a dirigé l'association criminelle Sahara, qui est mortellement blessé. Gang Sahara est spécialisé dans le kidnapping et puis impliqué dans plusieurs actes d'assassinat dans la plaine du Nord. À Cap-Haïtien, la police confisqué un pistolet, un revolver calibre 38, une arme à fabrication artisanale, deux couteaux, plusieurs cartouches différents calibres. Il y a 30 individus qui viennent arrestation. N'a souligné la police mène opération ça dans cadre enquête qui l'ouvre tout de suite après assassinat directeur départemental office migration dans Cap-Haïtien qui c'est monsieur Augustin et Kerwin dans date qui était 18 septembre 2024. Toujours dans nord, la police dans commune Limbé dans cadre d'une opération yo mené dans la nuit 27 septembre 2024 là dans une zone qui est le soleil levé côté gain deux présumés bandits qui mortellement blessés dans cas d'échange de tir avec force l'autre qui c'est Valdano ak Morgan ainsi connu. La police confisqué des armes et deux téléphones portables. Parallèlement, il y a 4 autres individus qui joignent arrestation dans le cadre d'opération que la police menait dans la zone Limbé, qui c'est César Fleury, 21 l'année, André Joniel, 33 l'année, Pierre Woodson, 18 l'année, et Saint-Il Doudlin, 28 l'année. Individu ça fait partie d'une gang qui relève le police que PNH a cherché activement pour implication dans plusieurs vols et examens commis dans la commune Limbé. Faut que nous dit tout, pas longtemps, même gang ça a été volé plus passé 1 million de gourdes avec 8 000 dollars américains sur un commerçant dans la commune Limbé. Selon information de la police dans Limbé, disposé, Morgan ainsi connu, c'était 10e chef gang qui relaie le police là. Dans le département centre, la police dans le département ça a arrêté Germain Magnon et James Fortuné, qui sont 2 évadés de prison pénitentiaire nationale suite à l'attaque gang armée qui a été faite sous prison dans le mois de mars 2024 qui s'est passé là. Faut que nous fassions remarquer que Saint-Germain Magnon est impliqué dans le dossier cargaison d'âme, l'église épiscopale. Dans le département de la Tibonite, samedi qui était 28 septembre 2024, là, précisément dans Gonaïve, dans le cadre d'une opération, la police menait, James Prilly alias John Billy, qui est mortellement blessé dans l'échange de football avec la police. Et puis qui était accompagné de plusieurs autres acolytes qui étaient en chapé pour lui. On a rappelé que James Prilly était fait partie d'une association criminelle alliée gang Kokorat sans race qui était impliqué dans divers actes. Tant que boulet plusieurs bâtiments, institutions publiques, paquet Gonaïve, la mairie avec un véhicule, la police nationale d'Haïti dans Gonaïve. La police a cherché James Prilly suite à un mandat la justice t'émet contre lui.
Après une ordonnance, cabinet d'instruction criminelle première instance Gonaïve est sorti, qui t'a voué individu ça à juger narcisse criminel pour acte commettre. Dans le département sud pays, précisément dans Saint-Jean du Sud, la police procédait à l'arrestation de Germain Massin, qui est chef gang qui relève l'armée Timanchette, qui a opéré dans la localité qui relève Villeby, dans Saint-Jean du Sud. La police qui veut mettre main sous tout sous chef gang ça, c'est grâce à la collaboration mariage police-population. Dans la commune Gressier, plusieurs unités, plusieurs agents dans l'unité d'élite qui se soit, qui sont dans la police, tabli basé dans Gressier depuis quelques temps, et puis mener une opération, et puis mener opération pour capable traquer et mettre en bas code bandits qui empêchaient même dans la population de fonctionner dans l'activité. Pendant l'opération et l'intervention policière, qui a poursuivi dans la commune Gressier, agents SWAT ont crasé diverses barricades et pièges malfaits pour être capable d'empêcher la police de progresser. Mettez sous ça, voyant policiers nous fait pénétration dans plusieurs cailles que bandits ont été utilisés comme cachette pour commettre des actes criminels. Agents l'audio qui jouent un support citoyen dans la zone Gressier, dans quatre mariages. Police population qui est directeur général de la police a été venu ensemble avec l'IA, commencer à bailler bon genre résultat et puis créer l'espoir, la caille moun Gressier. Dans la juridiction Delma, la police dans la juridiction Delma a arrêté dans la date 19 septembre 2024 qui se passe là, Johnson Antoine dans la zone Gérald Bataille, individu ça, c'est membre actif, gang criminel 400 Marozo qui a opéré. Non, pas des bouquets. Dans la juridiction Tabac, vendredi 13 septembre 2024, la direction centrale police judiciaire, DCPJ, à travers section homicide, interpellé commissaire principal, Libenson Gauthier, qui était responsable juridiction Tabac. Il a arrêté tout, inspecteur principal Jean-Claude Aimé, cap travail tout dans même juridiction ça dans commissariat tabac avec deux autres civils qui c'est Robertson Antoine et Jean Roussler. Quatre interpellations ça au fait dans quatre enquêtes DCPJ a mené suite à exécution citoyen Hubert Colo qui c'est un citoyen qui en même temps était un chauffeur taxi. Scène criminelle était déroulé dans Tabac 41, zone ambassade américaine, jeudi qui était 5 septembre 2024. Après plainte qui était portée, mettez sous témoignage en pile monde qui était dans zone là, et bien ont témoigné que véhicule service qui affecté avec commissaire Livenson Gauthier était sous lié scène crime. Selon information enquêteur de CPJ disposé, gain indice surtout relevé téléphonique qui montrait à clair que commissaire Gauthier était dans parage là dans moment exécution victime. Comme responsable juridiction, il ignorait fait qui passait et puis pas même produit un rapport sous ça. Jusqu'à présent, c'est DCPJ qui est arrivé saisi de dossier ça. N'a fait qu'on est pour Kounia, commissaire Libenson Gauthier, ancien responsable juridiction Tabar, li placé dans isolement. Faut qu'on dit tout dossier ça, nan on dit tant tout coûte pour le déférer devant autorité la justice compétente. Nan même sans ça, nous voulons informer population que opération cap mené dans Badelma, centre-ville, spécialement dans le quartier Bel Air, Solino, Riel Maya, Delma D a continué. Renforcé chaque jour. Alors, gens que nous connaissons objectif conférence de presse, c'est sous question
rentrée scolaire. Dans ce sens, nous promettons la population avec la presse. Nous avons pour nous casser un rendez-vous spécifique sous bilan opération ça. Mais tout, nous avons profité fait qu'on est. PNH a déjà mis en bas code concubine avec ce bandit criminel évadé de prison qui est le Kempes Tanoan, qui est le chef gang Bel Air. Pour finir, nous demandons à la population de rester vigilant et éviter de prendre toute forme de tractation. PNH là c'est nous et nous c'est PNH. Unité ça, c'est vrai symbole mariage police avec population qui gagne pour si MPP, que directeur général de la police, M. Normil Rameau, a prôné depuis l'élevé dans cette institution. Dans ce sens, c'est important pour nous continuer à croire dans la force police. Merci.